Merci. Écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Hein. Oh. Quel plaisir de vous voir si nombreux à avoir répondu à notre invitation. Ça fait chaud au cœur. Hein. Votre présence est un réel encouragement pour la communauté d'agglomération bergeracoise et son réseau des bibliothèques, engagé avec passion dans l'axe politique fort de la lecture publique. Aurait bien voulu partager avec nous cette fin d'après-midi littéraire et m'ont demandé de bien vouloir les excuser, tout en regrettant de n'avoir pu se libérer. Monsieur Bernard Cazot, président du Conseil général de la Dordogne, Armand Zaccaron, conseiller général de la Force, lequel est aux côtés du président Cazot actuellement, ainsi qu'Élise Joseph, qui est directrice générale adjointe de la communauté d'agglomération bergeracoise. Quelques personnalités sont donc absentes, mais j'ai la grande joie de saluer Cécile Jallet, directrice de la BDP, qu'on peut applaudir. C'est avant le discours qu'il faut l'applaudir. Isabelle Gazonois, comédienne, qui va nous faire vivre les textes de notre auteur invité. Monsieur Alain Ricard, directeur de recherche au CNRS, spécialiste des littératures d'Afrique noire, mais aussi auteur, réalisateur et traducteur. Vous voyez qu'il y a des cumuls de mandats ailleurs qu'en politique. Lequel, monsieur Ricard, est chargé de vous présenter celui qui écrit avec la même aisance, en wolof et en français, notre invité d'honneur, Boubacar Diop. Qui était, il y a 48 heures, reçu à Périgueux. Boubacar Diop, ce soir, vient rencontrer la ruralité après une répétition à la préfecture périgourdine. Quel honneur pour notre commune de vous recevoir en ami, Boubacar. Et quelle émotion pour moi. Nous ne remercierons jamais assez le Conseil général de la Dordogne et la BDP de nous permettre de tels moments de joie. C'est la quatrième fois que ces étranges lectures, dont vous nous parlerez, Cécile, nous sont proposées au sein du réseau des bibliothèques, mais c'est la première fois qu'elles sont labellisées CAB, et c'est à Saint-Pierre-des-Hirots. Je n'imagine pas un instant que l'explication du choix de Saint-Pierre réside dans le fait que la maire de cette commune est aussi le vice-président de la CAB en charge de la culture. Si tel était le cas, il y aurait des lits d'initiés. Certains le savent, je suis empli des valeurs du continent noir africain. Si cela ne se voit pas de prime abord, ma peau profonde est de la même couleur que la vôtre, Boubacar. Et à ce sujet, j'aimerais rappeler à l'auditoire un petit texte de la tradition orale africaine que j'avais déjà servi, il me semble, et qui dit ceci. « Cher frère blanc, quand je suis né, j'étais noir. Quand j'ai grandi, j'étais noir. Quand je suis au soleil, je suis noir. Quand je suis malade, je suis noir. Quand je mourrai, je serai noir. Tandis que toi, homme blanc, quand tu es né, tu étais rose. Quand tu as grandi, tu étais blanc. Quand tu as froid, tu es bleu. Quand tu as peur, tu es vert. Quand tu es malade, tu es jaune. Et quand tu mourras, tu seras gris. Alors, de nous deux, qui est l'homme de couleur ? » Je ne vais pas être plus long et vous laisser savourer cette soirée. Et vous recommande de penser, si ce n'est déjà fait, à éteindre vos portables. Merci d'avance. Et c'est avec plaisir que je passe la parole à Cécile Jallet, directrice de la BDP. Merci beaucoup. Je vais vous dire juste quelques mots sur Étrange Lecture, qui est une manifestation auquel nous sommes effectivement particulièrement attachés à la Bibliothèque départementale de Près, donc service du Conseil général, qui a pour mission de promouvoir le livre et la lecture et les bibliothèques en milieu rural. Nous y sommes attachés parce que elle a la particularité d'être portée par l'ensemble des acteurs du livre sur le département. C'est donc vraiment une action de partenariat avec la ville de Périgueux, avec alors avant la ville de Bergerac et maintenant du coup la CAB, et puis donc tout le réseau du département. Et c'est quelque chose qui est relativement unique en Aquitaine, en tout cas, et unique au niveau national, ce partenariat complet de tous les acteurs du livre et de la lecture sur un territoire. Ça fait maintenant 10 ans que cette manifestation existe. Elle est également soutenue fortement par la Ligue de l'enseignement, outil d'éducation populaire ô combien important, on le sait tous. Et c'est vrai que voilà, c'est notre 10e saison. C'est quelque chose qui est pour nous important. On a choisi pour cette saison en particulier d'accueillir effectivement des auteurs, ce qu'on faisait peu ou de manière
très ponctuelle dans des manifestations plus nationales comme les Belles étrangères. Maintenant, nous avons décidé de le faire nous-mêmes. On s'est dit qu'on était assez grands. Hein, 10 ans, c'est plus que l'âge de raison, donc on peut le faire. Et donc voilà, c'est notre première expérience d'inviter d'auteurs nous tout seuls. Donc on est très heureux de pouvoir partager ça avec vous. Et on l'a fait bien évidemment ici aussi, parce qu'on savait qu'on serait soutenus localement par les bibliothèques de ce territoire. Voilà. Merci. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je me suis endormi un peu plus tôt que d'habitude. Vers 11h, j'ai senti qu'on me tapotait l'épaule. J'ai entrouvert les yeux, quelqu'un était penché au-dessus de moi et murmurait d'une voix à peine audible « Ali, Ali !» L'homme avait visiblement peur d'être repéré, par un passant nocturne par exemple. « Qui es-tu » ai-je demandé. « Veux-tu dire que tu ne me reconnais même plus, Ali ?»« Non, » ai-je répliqué, « que me veux-tu » J'étais d'assez méchante humeur après une journée difficile. « C'est moi, Daour !» a dit l'inconnu. « Daour ? Quel Daour ?»« Le président Daour Ndiagne, ton ami. » Dans mon demi-sommeil, j'ai perçu une pointe d'amertume dans sa voix. J'ai déclaré avec une âpreté qui m'a surpris moi-même, « Je n'ai pas d'amis, va-t'en. Moi, Ali Kaboy, je n'ai ni amis ni parents, va-t'en. » Ces mots furent suivis d'un lourd silence. Il sortit m'attendre à l'entrée de la cabane, je venais de le vexer. Et tu peux me croire, la tension était déjà palpable. J'eus subitement peur pour ma vie, mais cela me réveilla tout à fait. Je me levai, plus par prudence que par hospitalité. Écartant le rideau, je reconnus Daour Ndiagne, sous le lampadaire. Ce n'était pas la première fois qu'il venait me déranger ainsi au milieu de la nuit. Pendant quelques secondes, ses yeux restèrent posés sur moi avec sévérité. Il n'avait pas besoin de se donner tant de mal pour m'amener à de meilleurs sentiments. Je faisais déjà un peu moins le malin, je dois dire. Comment pouvais-je me permettre d'oublier que Daour Ndiagne, président de la République, me tient, comme tous les autres citoyens de notre pays, à sa merci. Je le savais capable de m'abattre de 2 coups de feu à l'instant même, sous n'importe quel prétexte, et de poursuivre tranquillement sa balade nocturne. Et il est une autre chose dont je n'ai jamais douté. À la différence du capitaine Bai Ndende et de tous mes autres assassins, Daour Ndiagne et ses semblables ne ratent jamais leur cible. Ceux-là, ce sont les seuls que nous craignons réellement, nous, les fous errants. Nous avons beau prétendre que rien ne nous arrête, tu ne nous verras jamais traîner près d'une maison gardée par une meute de chiens. Je sais, Wolof Njai, qui ne nous aime pas beaucoup, nous autres, soit dit au passage, raconte souvent n'importe quoi. Mais sur ce point précis, je n'hésite pas à lui donner raison. Où que nous soyons au monde, nous nous méfions toujours du président du pays. Il nous arrive, certes, en passant devant son palais, de penser avec une légitime fierté qu'un des nôtres a été tout de même bien méritant au point d'exercer, comme on dit, la charge suprême. Tu n'imagines pas en effet à quel point il nous est difficile d'être reconnus à notre juste valeur. Un fou, si intelligent soit-il, doit vaincre des préjugés tenaces pour persuader un pays tout entier qu'il en est le fils le plus capable. L'exploit n'est pourtant pas rare. Et c'est pourquoi, Dieu merci, le monde échappe souvent à la loi de ceux qui se disent eux-mêmes doués de raison. Observez bien, l'un après l'autre, nos actuels maîtres de l'univers. Il leur manque presque toujours une case. Et dans le regard de chacun d'eux, tragique sentiment de solitude et lueur de folie. « J'arrive, Daour, » ai-je dit, encore un peu perturbé. « Ne me fais pas attendre, » a-t-il lâché de mauvais gré. Le ton du président était devenu nettement moins bienveillant et complice. Quelle vie que la mienne! Si nous étions des écoliers dans une cour de récréation, je dirais que je suis le souffre-douleur du président Daour Ndiagne. Pense-t-il donc que mon état ne me donne aucun droit au repos? Il aime me tirer de mon sommeil pour me tenir chaque fois le même discours. Ali, je suis perdu, tu le sais, j'ai mené de rudes batailles pendant de longues années pour arriver à la tête de ce pays. Les Blancs qui nous opprimaient, c'est moi qui les ai jetés à la mer. Mon peuple m'a fait confiance, mais voilà, je suis complètement perdu. C'est que je n'imaginais pas la tâche aussi difficile. À présent, j'ai besoin de ton aide. Que faire, Ali? Dis-le-moi et je suivrai tes conseils.
Dans ces moments-là, Dao Ndiaye me fait pitié, et je me montre franc avec lui. Écoute, Dao, tout le pays voit bien que la pirogue erre, sans but, sur les flots. Il arrive même qu'elle tangue dangereusement. Tu ne sais pas où tu nous mènes, Dao, et tout cela finira mal. Voici ce que tu dois faire. Tu vas aller à la télévision, dire à notre peuple que tu ne savais pas l'affaire aussi compliquée et que tu as décidé de renoncer au pouvoir, car tu ne peux aider aucun d'entre nous à être plus heureux. Tu diras honnêtement aux gens « Merci de m'avoir élu, j'ai essayé de faire de mon mieux, mais mon Dieu que c'est dur !» Dao Ndiaye appelle les journalistes et dis-leur cela. « Ce n'est pas facile, je sais, mais ce qui nous attend est bien pire. » Ce genre de conseil a le don de le mettre dans tous ses états. Le fauve se réveille alors en lui, et il explose. « Ali, Ali Cowboy, ça se voit que tu es fou, allié, toi. Veux-tu donc que mes gars me tuent ?» Parfois, il s'arrête, m'observe d'un air soupçonneux et fait semblant de plaisanter. « Serais-tu de ceux qui veulent ma mort ?»« Non, tu m'as demandé mon avis, je te l'ai donné en ami. » Il se calme aussitôt. « Oui, tu es le seul à ne pas me mentir, Ali. » Et c'est pourquoi j'aime bien parler avec toi. Mais il faut que tu me comprennes, je suis perdu. Pendant la journée, je suis fièrement debout à l'avant du navire. Je scrute l'horizon avec mes jumelles et je vois s'avancer vers moi aéroport, chemin de fer, à grand écartement et tout le reste. J'insuffle de l'énergie à ce peuple de fainéants. Je le fais aller de l'avant. M'imagines-tu en train d'hésiter un seul instant? Ce serait la fin de tout. Veux-tu que ce pays s'effondre du jour au lendemain? Ne parle pas de malheur, Dao. Votre pays, là, ne m'est d'aucune utilité, mais je ne souhaite pas qu'il s'effondre. Que Dieu nous en préserve. À présent, ami, Dao Ndiaye va te reposer. Une longue et dure journée t'attend demain. Retourne dans ton palais et laisse-moi dormir. Dormir? Tu n'y penses pas, Ali. Que me veux-tu, Dao? Je cherche le chemin, Ali. Guide mes pas sur la voie juste. Je suis entouré de gens incompétents, débauchés, corrompus. Ce sont des pourceaux. Je ne peux les empêcher de se vautrer dans la fonge. Ne me déçois pas, Ali, j'ai foi en ta sagesse. Lorsque Dao me parle de cette façon, je devine ses pensées les plus secrètes. Je peux presque entendre les mots heurter la paroi de son crâne. Il est en train de se dire, c'est fou, ils sont les seuls à connaître la voie. Ce n'est pas vrai, bien sûr. Ça nous fait bien rigoler entre nous, d'ailleurs. Si on connaissait le chemin, on ne serait pas tout le temps en train d'errer dans la ville, voyons. Mais nous laissons dire, ça flatte un peu notre vanité, on est des humains aussi, on a nos petites faiblesses. Tel est, en résumé, l'ordinaire de mes audiences nocturnes et improvisées avec le président Ndiaye.